ce qui est fondamental et ce qui accompagne l'essentiel. Malheureusement, ces derniers temps, la définition du courant, entre parenthèses ou entre guillemets, auquel tu appartiens, semble plus important que la définition de ton identité en tant que juif, ou de la définition de ton appartenance à un monde de Torah et de mitzvot. D'ailleurs, la première question qu'on te pose, c'est pas est-ce que tu respectes toutes les mitzvot, mais est-ce que tu es breslav? Ou est-ce que tu es chabad? Ou est-ce que tu es dati loumi? Ou est-ce que tu es tzioni? Alors, le premier réflexe doit être un réflexe de bonne santé. Avant de commencer à parler de tous ces courants-là, il faut d'abord définir les choses essentielles et fondamentales du judaïsme. On appartient au peuple d'Israël. 1. 2. On a tous la même Torah qui a été donnée au Sinaï. Cette Torah, elle a 613 mitzvot et les mitzvot que les Chachamim ont rajoutés avec le temps. 3. Nous avons confiance, nous faisons confiance aux sages qui accompagnent l'histoire d'Israël depuis toujours. Avant de parler du Rabbi et de Rabbi Nachman et de tel ou tel grand rave, il faut parler des sages du Talmud, des sages qui ont accompagné le peuple d'Israël à travers tout le temps, que ce soit Maïmonide, Rabbi Yehuda Lévi, Maïmonide, le Maharal. Ce sont des figures qui sont incontestées. Quand on remet les choses en place, tout devient beaucoup plus facile, parce que chaque chose prend la proportion qu'il faut. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre la pyramide à l'envers. On commence de la fin. Alors, qu'est-ce que tu penses du Rabbi? Je pense beaucoup de bien de Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas la question. Si, tout commence de là. Quand on va dans l'ordre, alors, au fur et à mesure, on arrive à trouver comment telle ou telle nuance s'accorde ou ne s'accorde pas avec ce que l'on recherche. Mais il faut d'abord partir des choses fondamentales, importantes, nécessaires. Je vais donner deux exemples pour vous faire comprendre combien il est important d'avoir les idées au clair. Première question, qui est le Mashiach? C'est une belle question. Qui est le Mashiach? Quand le Mashiach arrivera, il ne sera pas contesté. Parce que sa grandeur sera d'une telle dimension que personne ne pourra émettre de doute. Et les fonctions qu'il remplira seront tellement claires et évidentes pour tout le monde que personne ne se posera de questions. Mais dans Chabad, on affirme que... C'est bien, on affirme. On affirme, pas tous, une partie oui, une partie non. Voilà, on a commencé, ça commence. C'est-à-dire que on parle d'abord, avant de parler de l'homme, on parle de la définition du rôle. Quelle question? La question avant, au début? Qu'est-ce qu'on pense des courants du judaïsme? Et donc, les gens, avant même de savoir, d'avoir une idée de ce qu'est le Mashiach, selon notre tradition, commence déjà à parler de la personne qui va remplir ou qui a déjà rempli ou qui va remplir son rôle. Et ça, évidemment, cause beaucoup de problèmes. Parce que quand on parle d'une personne, alors c'est comme si on contestait la grandeur d'un sage. Non,
on conteste pas sa grandeur. Ça n'a rien à voir. Contester et savoir quelle est la définition du Mashiach et savoir et comment ça se réalise, ça n'a rien à voir avec le fait qu'un tel était un grand personnage. Par exemple, une fois j'ai posé la question de savoir pourquoi Baba Saleh ne serait pas le Mashiach. Personne n'a été capable de me répondre. Mais parce que personne ne dit de lui qu'il est le Mashiach. Et alors ? Rabbi Israël Abouhatsera était un homme d'une stature immense. Il faisait 10 miracles du matin au soir. Quand il priait, ses prières se réalisaient. Il descendait d'une famille incontestée à Abouhatsera. Et personne n'a été capable de me répondre pourquoi ne pas dire de Rabbi Israël Abouhatsera qu'il avait le Mashiach. Parce qu'il n'a pas dit de lui-même qu'il était le Mashiach. Et depuis quand le Mashiach dit de lui-même qu'il est le Mashiach ? C'est une définition. Donc il faut remettre les choses en place. On doit parler des définitions fondamentales de notre croyance. Et on doit moins s'attacher aux individus. Maintenant, c'est vrai que chacun a besoin de sentir qu'il a un rave auquel il est attaché en particulier. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Assez les harav. Alors, c'est vrai que pour certains, dire que le rabbi de Lubavitch est le rave, ça les aide dans la vie. Très bien. Ça les aide. Ils ont senti qu'ils ont un maître, que ça les guide, ça les renforce, ça leur donne de la foi, qu'ils se sentent guidés. Mais ça n'a rien à voir avec les définitions fondamentales de la foi. Une fois, une femme m'a demandé d'appuyer. Une démarche qui consistait à aller trouver les gens et leur demander de mettre sur leur fenêtre une pancarte comme quoi nous croyons à la venue proche du Mashiach. Je lui dis, je suis d'accord à une seule condition, c'est que on marque sur la pancarte l'article de foi de Maïmonide. En effet, dans ses 13 articles de foi, Maïmonide a écrit comme article de foi que nous croyons à la venue du Mashiach, et bien que le Mashiach prend du temps à venir, notre croyance ne bouge pas de cela. Alors elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez en particulier mettre l'article de foi de Maïmonide? Et pourquoi nous avons rédigé une formule qui dit que la venue du Mashiach est proche, que nous devons y croire, que nous devons proclamer que le Mashiach est à la porte? Je dis, parce que pourquoi nous mettre à la place d'un maître comme Maïmonide? Si déjà il a rédigé ça en article de foi, nous allons inventer des formules sur la venue du Mashiach. Vous ne faites pas confiance à Maïmonide? 80% du Shulchan Aruch, c'est Maïmonide. Elle n'a pas eu de réponse. Elle n'a pas su quoi me répondre. C'est vrai, vous avez raison, mais je ne sais pas pourquoi. On m'a dit de faire de la publicité pour la venue du Mashiach. J'ai dit, tout celui qui croit aux 13 articles de foi de Maïmonide est un homme croyant. Maïmonide a déjà rédigé ça. Pourquoi inventer quelque chose de plus? Alors, déjà dans la Talmud, il a dit que chaque élève a tendance à croire que son maître est celui qui va amener la délivrance. C'est déjà quelque chose qui est déjà marqué dans le Talmud. Ouais, mais des fois, les gens exagèrent. Parce qu'ils prennent ça de façon tellement extrême que pour eux, tout le reste n'a aucune valeur. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah dans le bon sens. La Torah commence du début et on est maintenant vers les dernières générations où il y a certaines façons de plus qui aident des fois les gens à sentir cette foi encore plus en eux.
mais ce sont des ramifications. Et des fois, c'est les ramifications des ramifications, et des fois, c'est les ramifications des ramifications des ramifications. Alors, on n'en fait pas l'essentiel. Et donc, il est important de savoir ça. Quand on commence à me parler des querelles et des disputes entre les différents courants du judaïsme, je rappelle à tout le monde qu'on a un maître qui s'appelle notre maître Moshe, Moïse. Et que ensuite la Torah a été transmise fidèlement pendant 40 générations jusqu'au Talmud. Et que le Talmud oblige tout le monde. Et que personne n'a le droit de contester ce qui est marqué dans le Talmud. Et qu'ensuite il y a les grands de toutes les générations qui ont éclairé notre histoire. Et que ce sont eux qui nous obligent. Et à la fin, quelqu'un dit, mais moi j'ai besoin d'un maître, maintenant comme ça, à qui je peux m'adresser maintenant, en chair et en os, dont je peux voir la photo. Tof! Si ça t'aide. Mais n'oublie jamais que ce maître avait un maître, qui avait un maître, qui avait un maître, et ça remonte à mon cher Rabbeinu. Alors c'est important. Parce que de nos jours, on commence à la fin des choses. Comme par exemple, aller sur les tombeaux des sages. On fait de ça hein, une affaire, comme si dans le Shulchan Aruch, premier paragraphe, quand vous vous levez le matin, n'oubliez pas de choisir le tombeau du sage sur lequel vous allez prier. Il n'y a pas de paragraphe comme ça dans le Shulchan Aruch. Ça ne fait pas partie de la foi fondamentale d'aller sur les tombeaux des justes et des sages. Et si quelqu'un dans sa vie ne va jamais sur le tombeau d'un juste ou d'un sage, il est quand même considéré comme un homme honnête, croyant. Mais on raconte que ça fait des miracles. On raconte. Des fois, c'est possible. Des fois, c'est possible que non. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le tombeau des justes et des sages et qui n'ont pas encore vu leurs vœux se réaliser. Parce que ça dépend beaucoup des mérites qu'on a soi-même. À part le fait d'aller sur le tombeau d'un juste ou d'un sage. Mais est-ce que ça a une valeur? Ça, une certaine valeur. Mais ça ne fait pas partie de la croyance fondamentale. Ce n'est pas marqué dans le Talmud qu'il faut aller sur les tombeaux des sages et des justes. Et aller sur un tombeau, c'est pas quelque chose d'évident. Aller dans un cimetière, encore moins. Oui, mais il y en a qui font de ça l'essentiel. C'est un problème. Est-ce qu'il faut faire croire aux enfants que le monde est beau? Pas du tout. Surtout pas leur faire croire que le monde est beau. Il faut leur montrer que le monde est beau. Comment leur faire croire? Faire croire, ça veut dire, écoute mon petit, en réalité le monde n'est pas beau. Mais tu sais, pour ton éducation, il est important de te faire croire que le monde est beau. Alors on va t'inventer des belles histoires. C'est quoi cette histoire? Faire croire que le monde est bon. C'est-à-dire, selon cet axiome, ça voudrait dire que quand un enfant voit un papillon, il faut lui dire, ne regarde pas le papillon. Ça risque de te faire croire que le monde est beau. Ou s'il voit un arbre, surtout ne regarde pas l'arbre. Ça risque de te montrer que le monde est beau. Maïmonide dit qu'il y a des gens qui affirment que dans le monde, la majorité de ce qui se passe est mal, est le mal, et la minorité est le bien. Dit Maïmonide, eh bien c'est une grave erreur. Crois-moi, l'essentiel est le bien. Et par contre, il y a aussi du mal.
mais il est minoritaire. Comment ça? Mais c'est pas ce qu'on dit. Nahon, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est pas ce qu'on voit. Nahon, c'est pas ce qu'on voit. Parce qu'on voit pas ce qu'il faut pas voir. Parce qu'on voit ce qu'il ne faut pas voir. Et on ne voit pas ce qu'il faut voir. Par exemple, sur 1000 personnes, combien de personnes à l'hôpital? La moitié. Sur chaque 1000 personnes, 500 personnes à l'hôpital. C'est-à-dire, si je fais le compte d'après votre calcul, on est 6 millions de gens ici. Dites-moi combien il y a de gens dans les hôpitaux en Israël? Que Dieu nous préserve? Non, même pas. Même pas une personne. Vous avez compris? Si vous dites que sur 1000 personnes, il y a 500 personnes à l'hôpital, ça veut dire que 3 millions de personnes en Israël sont dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voyez? C'est de ça que parle Maïmonide. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Je viens de faire un petit exercice pour vous prouver combien les gens vivent dans l'imagination. Alors pourquoi? Comment se fait-il que les gens pensent que l'essentiel dans le monde est le mal? Parce que malheureusement, c'est ce qui, beaucoup de gens, fait l'impression essentielle. L'essentiel de l'impression qu'on a, c'est on voit, chas v'shalom, un accident, on dit ah, accident. Et tu en parles toute la journée. Mais l'accident, tu l'as vu une minute. Et tu en parles pendant 24 heures. Donc, ça veut dire que pendant 24 heures, il y a des accidents. C'est comme à la radio. On donne des informations. À 7 heures du matin, on vous annonce qu'il y a eu quelque chose. On a évidemment choisi quoi annoncer. Et on le répète tous les quarts d'heure. Conclusion, c'est arrivé 24 heures multiplié par 4. Parce que dans chaque 4 heures, il y a 4 fois un quart d'heure. Donc, 24 heures multiplié par 4, ça nous fait 96 fois le même événement qui est arrivé. En réalité, c'est arrivé une fois. Alors, quel est notre travail? Notre travail, il est là. C'est à changer notre perception du monde. Et les hommes ne font pas ce travail, et à cause de ça, il y a un sentiment pessimiste qui s'empare de la société. Et évidemment, les enfants souffrent le plus de cela. Parce que les enfants, de façon naturelle, sont contents. Ils jouent. Ils sont insouciants. Ils voient de la pluie et disent « Ah! Yored Geshem! Geshem! Yored Geshem! » De quoi il est en émoi? Qu'il y a quelques gouttes d'eau qui pluie, qui tombe. C'est ça qu'il est en émoi. De quoi les hommes sont en émoi? Tu as entendu ce qu'ils ont dit aux informations. Et ils voient de la pluie tomber, qui est un miracle. Quel sale temps. Tout le contraire. Donc on veut pas, il ne faut pas faire croire aux enfants que le monde est beau. Il faut leur montrer la beauté du monde. Et ce n'est pas difficile. Le jour où on décide de s'attacher et de mettre en évidence tout ce qui est le bien, tout ce qui est le beau, ça devient facile. Lorsqu'on a mangé un aliment chez Akol et qu'on mange ou boit ensuite, mais qu'en faisant la bracha sur le premier aliment, on n'avait pas l'intention d'en consommer un autre, doit-on refaire chez Akol sur ce qu'on s'apprête à manger, ou est-ce que c'est considéré comme une bracha en vain? Y a-t-il un intervalle de temps précis? Ok. Alors, sur cette question de halakha. Par exemple, j'ai bu un verre d'eau. Et je n'avais pas l'intention d'en boire un deuxième. Donc, j'ai fait la bracha sur mon premier verre d'eau chez Akol. Et puis, avant de faire la bracha, tout d'un coup, je me suis dit, je vais en boire un deuxième.
est-ce que je dois refaire la bracha chez Hakol? Alors, il y a plusieurs détails sur cette halakha qui est une question qui revient souvent. Comment se comporter au niveau de la bracha? Réponse. Alors, je vais détailler toutes les possibilités. Si, avant de boire un verre d'eau, on s'est dit à soi-même, je bois jusqu'à ce que je n'ai plus soif. Quand j'ai fait chez Hakol sur le premier verre d'eau, je n'ai plus besoin de refaire chez Hakol sur le reste de ce que je vais boire. Pourquoi? Parce que mon intention a priori était de boire jusqu'à ne plus avoir soif. 2. J'ai bu un verre d'eau. Et quand je me reprépare à boire, il reste encore de l'eau que je n'ai pas bu. Je n'ai pas besoin de faire chez Hakol, parce qu'a priori, quand j'ai eu ce verre d'eau, mon intention était de le consommer. Et si je ne l'ai pas fini, alors je peux me fier à la première bracha pour m'être acquitté. 3. J'ai bu mon verre d'eau, et puis je suis complètement désaltéré. Je n'ai plus aucune intention de boire. C'est passé, terminé, j'ai fini mon premier verre d'eau, je n'ai plus aucune intention de boire. Et une demi-heure après, j'ai soif. Et réponse, il faut refaire chez Hakol. Ça s'appelle dans la halakha, Issar Hadat. C'est-à-dire qu'on a écarté notre esprit de ce qu'on a déjà consommé. On a besoin de refaire une boire. Et en fait, c'est pas quelque chose qui dépend tellement du temps. Parce que dans la question qu'on m'a posée, on m'a demandé combien de temps doit se dérouler entre les deux consommations. C'est pas quelque chose qui dépend du temps. C'est quelque chose qui dépend de mon esprit. Si mon esprit est resté attaché à la volonté de boire, de consommer ce qui m'a été donné, alors je n'ai pas besoin de refaire de boire. Mais si j'ai complètement oublié, pour moi c'est terminé, c'est quelque chose de classé. Et maintenant je veux recommencer, il faut refaire la bracha. Alors il est possible que ce soit écoulé 2 heures, il est possible que ce soit écoulé 1 quart d'heure. Par exemple, si on boit quelque chose de la bouteille. Si on boit quelque chose de la bouteille. On fait la bracha et on veut reboire de la bouteille 3 heures après. Et vous voulez reboire de la bouteille 3 heures après. Vous parlez par exemple de la bouteille qui est là en face de nous. Parce que si c'est une bouteille de 2 litres, en général, quelqu'un n'a pas l'intention de finir une bouteille de 2 litres. Par contre, il a une bouteille d'eau, et aujourd'hui, très souvent, ça arrive, vous voyez, c'est pour ça que sur toutes ces bouteilles a été mis une capsule, un bouchon qui permet aussi de boire directement comme ça. Si mon intention est de boire jusqu'à ce de finir la bouteille, ok, j'ai pas besoin de refaire la bracha. Mon intention a priori était de boire jusqu'à finir la bouteille. Si je n'ai pas l'intention de finir la bouteille, quand j'ai bu 2 gorgées, c'est terminé. Quand je vais reboire une demi-heure après de cette eau, je dois refaire la bracha. Parce que c'est quelque chose qui a été classé à mon niveau. Excusez-moi, et si on a par exemple un café, donc on se déplace avec, je fais la bracha, je le bois ici, mais mm-hmm. je sors, je vais me promener comme on fait à midi, et j'en rebois dehors. Ça c'est une autre question intéressante. La deuxième question, cette autre catégorie de questions, c'est est-ce que un déplacement de lieu oblige à une autre bracha? Vous avez compris? C'est une autre question. Ce n'est pas la question du fait que je n'ai plus pensé, donc il faut que je fasse la bracha. Le simple fait d'aller autre part, est-ce que ça m'oblige à une bracha? Alors le principe général est le suivant. Il y a beaucoup de détails, mais je vous donne le principe général parce que sinon on va devoir consacrer tout le cours à ces halakhot-là. Le principe est le suivant. Tout aliment, poisson ou aliment qui est considéré comme léger, si on se déplace, on doit refaire la bracha. Par contre, les aliments sur lesquels on a l'habitude de fixer un repas, même si on se déplace,
on n'a pas besoin de refaire la bracha. À plus forte raison si on avait l'intention de le consommer ailleurs. Alors, quelles sont les catégories? Les catégories sont assez simples. Par exemple, mezonot. On a l'habitude de manger une certaine quantité. Quand on commence à manger un gâteau ici, on veut continuer son gâteau autre part, ou une pizza ici et on continue la pizza là-bas, ou des borekas ici et on veut les continuer là-bas, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Par contre, par exemple, sur une boisson, oui. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce qui est léger, le principe dans la halakha est qu'un homme n'avait pas l'intention de continuer après. C'est-à-dire, maintenant, c'est quelque chose de léger et de facile. À partir du moment où on l'a consommé, c'est considéré comme si on avait fini ce que l'on avait l'intention de consommer. C'est quelque chose qui est rapide. On mange un fruit, d'accord? On a l'habitude de le consommer et de finir et d'aller autre part. On boit un verre d'eau, on le finit et on va autre part. Par contre, quand on mange quelque chose qui est beaucoup plus conséquent, qui oblige à faire une grande bracha après, comme mezonot, à la michia, à plus forte raison du pain, alors, a priori, on a l'intention de commencer et de déjà terminer autre part. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha. Et il vaut mieux, de façon générale, ne pas se déplacer pendant la consommation d'une boisson ou d'un aliment. Le fait de prendre son truc et de commencer à se balader dans la rue, comme j'ai vu à Paris, des gens avec des plateaux manger dans la rue en consommant le repas de midi, c'est quelque chose qui est insupportable. On n'a pas le droit de manger de pain dans la rue en marchant. Nos sages disent des choses très graves sur quelqu'un qui fait une chose pareille. S'il s'agit de quelque chose qui est très rapide comme ça, qu'on garde dans la bouche et qu'on ne voit pas, à la rigueur, quoique de façon générale la règle doit être, quand on consomme quelque chose, il faut le consommer sur place, le terminer sur place, en faisant la bracha avant et la bracha après. Cette habitude qui est une habitude européenne, et de pouvoir commencer à se balader avec la nourriture et de manger partout là où on veut parce qu'on n'a pas le temps et qu'on veut gagner du temps en mangeant comme ça, hein, c'est pas quelque chose qui ressemble aux hommes, c'est quelque chose qui ressemble au monde animal et pas aux hommes. Donc manger un sandwich en marchant, c'est horrible et c'est interdit. Comment expliquer qu'après le Maboul, Noach et ses enfants reçoivent d'Hachem la permission de consommer certains animaux? On ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y avait, il n'y avait pas assez à manger, car ils ont tenu, car ils ont mis dans l'arche des réserves, donc il y avait de la nourriture. Alors comment expliquer qu'après le déluge, l'homme puisse élever cette nourriture animale? D'autres termes, la Torah annonce qu'après le déluge, changement de la nourriture de l'homme. Avant le déluge, il était interdit de consommer de la viande. À partir de Noach, la consommation de la viande est consommable. Alors, il y a deux réponses qui sont contradictoires. Non, paradoxales. La première réponse, c'est à cause de la chute de l'homme. L'homme a chuté avec le déluge. Et à cause de cela, il ne peut plus se contenter de retirer toute sa nourriture seulement du système végétal. Il y a une faiblesse qui se déclare au niveau de l'humanité. C'est pour ça que quand on est faible ou quand on a l'anémie, les médecins nous disent mangez de la viande, mangez de la viande rouge, mangez du foie. Vous avez besoin de consommer quelque chose qui vous renforce. Donc il est clair que c'est le signe d'une faiblesse. Maintenant, la deuxième réponse est inverse. C'est que l'homme reçoit
après le déluge, comme rôle de élever à nouveau l'ensemble de la création. Or, quand un homme consomme un animal, il est clair que l'animal devient une partie de l'homme, et donc l'animal s'est élevé. C'est pour ça que les Kohanim dans le Beit Hamidash devaient manger les korbanot. C'est-à-dire qu'ils avaient comme rôle d'élever la création. La consommation de la viande, c'est pas parce qu'ils aimaient tellement la viande, les Kohanim, ils étaient tenus de consommer les sacrifices pour pouvoir élever la création de façon globale. Donc, tu dis que l'homme a la possibilité, la capacité de le faire. Nachon, il a la capacité de le faire. Avant, il n'avait pas besoin de le faire. Vous savez que à la génération du déluge, tout a chuté. C'est pas seulement les hommes qui ont chuté. Avec la chute de l'homme, il y a eu la chute de toute la création. Tout s'est écrasé. Les animaux aussi ont fauté. Il y a eu une dépravation générale de la création. C'est pour ça que Dieu, évidemment, a supprimé aussi les animaux. S'ils n'avaient pas fauté, pour les supprimer. Et c'est pour ça que ont été triés sur le volet les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Il y a certains animaux qui sont arrivés pour entrer dans l'arche, et l'arche ne les a pas laissés rentrer. Pourquoi ? Ils avaient fauté. Ça veut dire quoi, ils avaient fauté ? Ben, ils avaient été avec s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur espèce. Tout avait chuté. C'était la catastrophe. Alors le déluge a illuminé tout cela. Ken, question. Quelle est l'interprétation de l'homosexualité dans le judaïsme? J'allais dire dans le déluge. Oui, bien évidemment. Ça va ensemble. L'interprétation. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Il y a besoin de définir le phénomène comme un phénomène qui va à l'encontre de l'idée de la création. Le principe de la création, c'est que Dieu a donné à l'homme la possibilité de faire naître quelqu'un à son image, c'est-à-dire à l'image divine. L'homosexualité prétend que cette fonction a été donnée à l'homme pour jouir, sans que c'est aucun but et aucun intérêt. Et que l'homme a le droit de se servir des fonctions que Dieu a mis à sa disposition pour être associé à Dieu dans la création, à son bon escient. C'est évidemment ce que nos sages définissent de la façon suivante. L'homme a le toupet de se servir de la vie que Dieu lui donne pour œuvrer contre la volonté de Dieu. Évidemment, une telle situation ne peut amener qu'à une chute morale de l'homme. Pourquoi ? Parce que être moral, ça veut dire être aligné sur la volonté de Dieu dans l'utilisation du monde et des forces que Dieu a mis à notre disposition dans la volonté, dans le but que la volonté divine a fixé. Alors, des fois, on a besoin, si je reviens à la question d'avant, de voir comment, dans le système global universel, les choses se passent. Même chez les animaux, on a conscience du côté mâle et femelle. Même chez les animaux. C'est normal. C'est la situation. Et c'est pas pour rien que deux sortes et deux catégories d'êtres ont été créés. Et voilà que tout d'un coup, l'homme invente quelque chose en disant « Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe autrement. Ça se passe comme moi je veux. »
l'homme décide de se mettre au centre du monde et de faire jouer sa vie en fonction de ses inventions et ses imaginations. Ça le rend immoral. Évidemment, c'est pas étonnant que cette immoralité entraîne aussi non seulement une dépravation des mœurs, mais entraîne aussi de graves dysfonctions, comme même certaines maladies. C'est pas étonnant. Pardon ? Les générations ne continuent pas. Évidemment. Première maladie, les générations ne continuent pas. Et quand on ne fait pas ce qu'il faut comme il faut, alors ça entraîne d'autres maladies. Et puis d'un coup, on voit dans le monde des tas de choses qui apparaissent, qui étaient méconnues avant, et qui sont révélatrices, les maladies sont révélatrices d'une situation globale qui est altérée. Des tas de maladies apparaissent dans le monde. On se dit, mais c'est quoi toutes ces maladies? La moitié des gens sont malades de ci, la moitié des gens sont malades de cela. Sans arrêt, il y a de nouvelles maladies et les médecins essayent de surmonter, ils n'arrivent pas. Ben, une fois, je me rappelle que j'étais invité et dans un groupe de gens et on était, il y avait un médecin, il y avait moi. Alors, une personne a posé la question, elle dit, écoutez, puisqu'il y a ici un rabbin et un médecin, on voudrait avoir votre avis sur le sida. Alors, j'ai bien, ben voilà, vous avez un médecin, dites-vous, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, le médecin a dit, moi, mon rôle, c'est quand il y a des patients qui viennent me consulter, de leur expliquer comment éviter d'être contaminé. Je dis, ben, moi, mon rôle en tant que rabbin, c'est d'expliquer comment être moral pour qu'une maladie pareille n'existe pas. Parce que cette maladie est le résultat d'une conduite immorale. Ce n'est pas une maladie qui existait. C'est une conduite immorale qui l'a fait naître. Alors le médecin s'occupe de mettre un pansement sur la blessure. C'est-à-dire, on ne peut rien faire, ça existe, les gens ont décidé de mal se conduire. Moi, mon rôle, c'est leur dire, écoutez, je vais vous enseigner les moyens pour ne pas être contaminé. Mais vous faites persister la situation qui a fait apparaître cette maladie et qui la rend aujourd'hui tellement répandue dans le monde. Des millions et des millions de gens portent cette maladie et menacent. Et menacent les autres, évidemment. Alors que la Torah s'occupe toujours de la racine des choses. Au lieu de... Évidemment, les gens malades, il faut les traiter. Et évidemment. Quand quelqu'un est malade, même s'il est responsable de sa propre maladie, quelqu'un fume, à cause de cela, il a une pneumonie. Le médecin ne peut pas lui dire, et puisque vous avez provoqué votre pneumonie, ben mourrez en paix. Non, il est obligé de lui donner un traitement contre la pneumonie. Même si quelqu'un est responsable de sa propre maladie, il faut quand même l'aider. Mais, en réalité, beaucoup plus que cela, il faut qu'il y ait une médecine préventive. La médecine préventive, c'est une médecine qui enseigne à l'homme comment se comporter normalement pour que les maladies qui atteignent et le corps et l'âme disparaissent. Mais comment c'est qu'il y a des gens qui naissent avec des tendances comme ça? C'est même pas, on a l'impression qu'ils ont subi ça et que c'est pas de leur faute. Ouais. Ok. Alors effectivement, ça c'est un des arguments qui est souvent avancé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là? Ils sont nés avec telle tendance. Alors je ferai les réponses suivantes. Premièrement, si quelqu'un a une maladie génétique, est-ce qu'on essaye quand même de le guérir? Évidemment. C'est pour ça qu'il y a des tas de laboratoires où il y a des chercheurs qui travaillent du matin au soir et on a déjà réussi à traiter certaines maladies génétiques en manipulant les gènes. Personne n'a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est génétique. D'accord? Mais néanmoins, c'est un handicap.
Néanmoins, c'est une maladie. Néanmoins, il y a quelque chose à traiter. Alors même si quelqu'un vient dire, mais moi, j'ai rien fait pour ça. C'est comme ça que je suis né. Nachon, asma. Si c'est pas normal, c'est quelque chose qui doit quand même être traité. C'est, ça ne justifie rien, le fait que quelqu'un naisse comme ça. C'est une maladie, semblable à une maladie. Non, j'ai dit que si quelqu'un prétend qu'il est né comme ça et qu'il n'a pas voulu cela et qu'il n'a rien fait pour arriver à cela, alors néanmoins, ça continue d'exiger d'essayer de traiter la maladie. Deuxièmement, deuxième réponse. Mais qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup des millions de gens deviennent malades en naissant de cette maladie? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, c'est devenu la chose la plus évidente, la plus répandue, la plus normale, la plus... Comme si les autres, les gens qui ont un comportement autre, ils se sentent un peu mal à l'aise. Ah, tu veux pas partir de... Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ça va? On a renversé la... On a renversé la casserole. Alors, on doit comprendre que si aujourd'hui, on parle de ça comme si c'était un phénomène qui est normal, un phénomène de société, que c'est légitime, qu'il n'y a aucun problème à cela. Ça veut dire, ça laisse entendre que ce n'est pas une maladie seulement née, mais c'est aussi un état d'esprit, une civilisation qui est égoïste. Parce que quelle est fondamentalement l'idée qui se cache derrière cela? Un égoïsme profond. Comme d'ailleurs les sociétés qui refusent d'avoir des enfants. Un enfant et un chien, kol hakavod. Deux enfants, le pauvre. Trois, c'est un fou. Quatre, c'est pire qu'un fou, il est religieux. Makara, c'est quoi cet égoïsme? Où ma vie ne peut servir qu'à assouvir mes désirs, mes propres besoins, mes jouissances, et j'ai pas envie de me casser la tête à m'occuper des autres. Il y a tout un état d'esprit qui accompagne ça. Et j'ai parlé avec des gens qui m'ont avoué qu'en réalité, ils ont succombé à la mode. Mais j'ai fait la réponse aux deux catégories. Il y a deux catégories. Même si quelqu'un viendrait dire c'est une minorité d'une minorité d'une minorité d'une minorité. Admettons que ça existe. C'est une minorité d'une minorité d'une minorité d'une minorité. Ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui est à réparer. Comme une maladie génétique. Asthme, même si quelqu'un naît avec cela. Il y a quelqu'un qui naît avec telle maladie, l'autre qui naît avec autre chose. Il n'y a pas de problème. Il faut effectivement se mobiliser pour traiter de cela. Mais il faut savoir que cette quantité de gens est infime. Et aujourd'hui, on essaye pour légitimiser le phénomène antisocial qui s'est créé. Je ne l'appelle pas le phénomène social, je l'appelle le phénomène antisocial qui s'est créé. On essaie de prétendre que tous ceux qui sont tombés là-dedans sont nés comme ça. C'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas nés comme ça. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit qu'effectivement c'est vrai, ils ne sont pas du tout nés comme ça. On les a habitués à cela. Ils se sont laissés entraîner à cela. Ils étaient dans une société, dans un cadre social dans lequel c'était considéré comme normal. Alors petit à petit, ils ont glissé. Il y en a qui, au dernier moment, se sont rattrapés. Un garçon m'a dit, au dernier moment, je me suis rendu compte de ce qui se passait. Alors, il faut faire très attention et garder la tête sur les épaules. Ne vous laissez pas impressionner par toutes les histoires qu'on vous raconte. Et s'il y a une minorité d'une minorité, d'une minorité, d'une minorité, eh bien, il y a quelque chose qui est à réparer, néanmoins. Et il faut le faire. Il y a des méthodes pour le faire. Mais Ezrat Hashem. Les trottes.